Bonjour et bienvenue sur My Parallel Prod. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo que je voulais vous partager. Je pense que ça a le mérite de vous le montrer puisque c'est une vidéo que j'ai tournée il y a à peu près un an et demi au moins. Alors vous verrez, hein, je suis un petit peu plus jeune. La qualité, elle est pas folle dans le sens où c'est du contenu WhatsApp en fait qui allait sur un groupe d'amis. Voilà, quand je pars un peu tout seul à gauche à droite, parfois je vais faire mes repérages comme Phil fait avec ses forts. Là, en l'occurrence, il s'était passé quelque chose de plutôt assez intrigant. J'ai été guidé par ma radio pour trouver un lieu abandonné suite à l'échec complet d'une trouvaille que j'avais faite en me fiant sur des bases internet. Hein. Voilà, j'avais une info qui datait d'un an et demi. Je suis parti, je crois qu'il y avait 100 bornes. Je vous ai compilé un petit peu tout ça, j'ai fait une suite comme ça. Évidemment, c'est filmé à l'arrache parce que c'était pas du tout censé être tourné pour YouTube. Hein. J'avais une GoPro dans la main, puis j'ai toujours une GoPro dans la voiture. Et je vous laisse voir un petit peu ce qui se passe. Ça va me dire, putain, comment je peux filmer en laissant mon GPS? Il y a la GoPro. Bon, je suis loin là. Voilà, donc je raconte ma vie, je roule, hein. Là, je vais tomber nez à nez avec un restaurant abandonné. D'ailleurs, restaurant, j'y suis jamais retourné. Qu'est-ce que je crois sur ma route? À votre avis? On est vraiment sur ma route, hein. Ah, j'adore cette bande son là qu'on entend dans mon autoradio. Bande son de Ne le dis à personne. J'adore. Un restaurant abandonné. Déjà en retard. Il y a un étage, je crois, deux étages. Bon, j'ai pas le temps, on reviendra ici plus tard. Mais bon, ça m'arrange, c'était sur ma route. Donc voilà, je trouve ce lieu sur la route, c'est cadeau, je me dis tiens, je marque le point GPS, on verra plus tard, et je fonce. Alors c'est vrai qu'on voulait aller, on voulait faire un repérage ce soir, et je voulais pas partir faire autant de kilomètres si je suis pas sûr qu'il y a un accès dans la maison, ce qui serait complètement con, ça nous est déjà arrivé. Alors du coup, bon bah comme j'étais à j'avais gagné 50 bornes sur les 120, 130. Après, la maison est en plein centre-ville. Après, je me suis fié à des infos qui ont un an et demi. Je sais pas. Oui, c'était mon jean. Bon, voilà, je suis arrivé à destination. Détruit. Voilà, voilà. Au moins, on est fixé, hein. Bon, bah, je repars. Allez, go. Et là, je suis dégoûté. Voilà. Là, je crois que c'est le pire. En fait, c'est arrivé et tombé sur un tas de gravier. En fait, l'info était trop vieille, quoi. Hein. Donc, on voit même l'herbe qui a poussé à travers les caillasses. Donc, voilà, le lieu, c'est mort. Bon, je repars un peu déçu, hein. Je suis un petit peu déçu. Et du coup, pour un petit peu me détendre et tout, alors évidemment, je fume une clope hein, dans la vidéo. C'était vraiment pas prévu pour tourner sur YouTube, donc je voulais laisser quand même, hein, parce que il va passer des choses intéressantes. Après, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est dur à trouver. Bon, on va pas demander comme ça aux gens, oui, sorry, où je peux trouver un endroit abandonné. Je fais un peu le con sur la. On le voit hein, sur la vidéo. Hein. Excusez-moi, bonjour. Pourriez-vous me dire où je peux trouver un endroit hanté? Oui, je suis un enquêteur du paranormal. Non. Non, non. Ça ferait pas sérieux. Quand je vous dis que je suis fatigant pour tout le monde, voilà, c'est vrai. Hein. Et donc là, je sors ma radio. Et donc, du coup, voilà ce qui va se passer. Vous savez pas, il y aurait une autre maison abandonnée, tout près? Où ça?
pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Il a fait un fond de leur porte. Où? Devant ou derrière moi? Oui. Oui. Sur la route là? Ok. Bon, je vais en arrière alors. Oui, d'accord. Je ne peux pas non plus rouler beaucoup de kilomètres. D'accord. Alors, je ne fais pas demi-tour là. Il faut me prévenir, il faut me dire stop au moment où je passe devant. Hein. Vous voulez bien? Donc là, je crois entendre quelque chose dans la radio. Je me dis, voilà, quitte à avoir fait autant de kilomètres, quoi. Est-ce que je croirais pas la radio qui me dit, si, il y a quelque chose pas loin? Je me prends au jeu. J'espère que vous êtes sûr de votre coup, hein. Parce que je repars en arrière. Ça serait où? À l'est. Oui, à l'est. À la présence de l'Occident. Oui, la présence. Ce qui m'embête le plus là au moment là, c'est que je repars en arrière. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on m'indique un lieu sur la route pour repartir, parce qu'il me restait 1h20 de route. Et du coup, ça me fait repartir en arrière, quoi. Je roule quasiment 10 bornes. Hein. Ça serait par où? Là? Oui. Donc là, à ce moment, je m'attends pas encore à ce qui va m'arriver au final, puisque je vais tomber sur quelque chose de plutôt sympa. Là? C'est abandonné, ça? Ça, c'est abandonné, ça? Ça craint pas d'y aller? Bon, ça me répond plus, c'est pas grave. Regardez où je suis. Je sais pas trop si c'est... Est-ce que c'est craignant, ce quoi-là? Permettre d'y aller comme ça à l'arrache, je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais? Si vraiment j'en crois, est-ce que ça me dit? Alors c'est quand même fou de se dire que je suis une radio. Alors évidemment, hein, je connaissais pas le lieu du tout. Hein. J'étais dans un coin que je connaissais pas du tout, mais vraiment pas quoi. Il y a des palettes juste devant la porte. Alors, après, ça m'a l'air d'être pas très habité. Bon, alors là, comment vous dire, c'est vraiment un hasard de malade. J'étais parti pour aller voir l'hôtel et je me retrouve un peu par hasard dans cette baraque.
j'ai un ISO 800 là, je vais pas la régler. Ici, je laisse comme ça. Mais je trouve ça un peu fou. Et je tombe ici. C'est une maison plutôt propre. Alors là, je venais juste d'avoir la GoPro, elle était réglée en ISO 800, donc c'est très sombre. Et après, donc je vais la couper et la remettre en ISO 1002, je crois, ou en loto, quelque chose comme ça, pour que ce soit un petit peu plus clair. Ok, bon, j'ai réglé un petit peu la GoPro pour essayer de voir un peu mieux. Elle est vraiment propre. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un ? Vraiment étonnant la manière dont je l'ai trouvé. Voilà ce genre de choses qui peut arriver quand on est dans ce genre de passion. Tout est toujours possible. Et au final, je ne suis pas parti pour rien. J'ai fait les kilomètres, mais je suis revenu avec une belle histoire. Bon bah, en tout cas, c'est une adresse. Je vais enregistrer le point GPS tout de suite. Si un jour, je veux le faire. Et je remettrai la vidéo pour faire un petit montage, un truc, parce que je trouve ça vraiment étonnant. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur MyPanelProd.